Merci de vous ressembler la frère. Merci. Zambatina, Ajala Nalisugi à Malobanayo. Kakano Bimisa Malobana, merci. Merci. Dota Bolanano, le légué Moko, merci, merci. Wana Bayembi, Bazoye Babisoto Vandi. Et tous à la concentrer. Vanda Bayembi Bazoka Babiso. Vanda Bayembi Bazoka Babiso. Toye Belongo na Bango, Tobé na Maboko.
Ok, merci beaucoup. Zambé Mona, ma chance jolie na yo. Et me bâti Kambola yo. Et Kata Bachel. Et Bibiso la Katia prison. Vous croyez que le même Dieu qui avait opéré votre foi, Paul Nassilas, le même Dieu a reçu la mission de l'homme. On a les gars, on a côté ma Kambola, Zambé, tout en la sensible. Il faut d'ailleurs pas. Dieu ne va pas créer de miracles, opérer de miracles, rien que c'est le matin dans le sang, même dans la circonstance à boyer. Ah, mettez la souillée sous ma boco. Il faut développer la sensibilité avec ton Dieu. Développer en gros comme on a ici quand on se pose à Moutonessien. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Bien-aimé, bon la circonstance na biso toliki tolobaka ke malinga mikati na kolo pour na biso c'est une fierté, une si grande fierté mes frères comme on a ebele ya bana nzambe ko sangana na kati na sale boyo dit on a lo baboye maza ko se référer na écriture moko na Matthieu 5 verset 6 et lo biboye. Et celui qui a faim soif de la justice, il sera quoi? Et c'est un mot à Zanzala, Peposa Boyenge Beni, Arosalani Arotonda. Tika, centre-ville Koya, c'est parce que nous avons ces soifs-là. Est-ce que c'est vrai? Kotika Koya, c'est parce que nous avons Zalawana. Et on dit Nabisoto Luka Luka. Je me rappelle encore à Jacob. Le commune à Cana, la commune à vieille errance, à Tindamana Boué, à l'Ekisabango Boué. Voilà pourquoi ce matin, Zaka Iloko Moko et Sangi Sibiso, Kaisaka Nzala Pepo Saboye Kemi. Yango de Salibiso to Sangana Awa. Oui. Bien aimé, tout mon aki na Katina Bafiche, des fois, au mon aki Yango, na téléphone. On a qui yango esika babambaki bambaki. Il s'agit ici d'une conférence. Et cette conférence, c'était bien affiché et elle titrait là qui yango comme si j'ai la mort et dans le pot. Yango de eloko ibe kibiso. Alors, ma katina thématique nabiso ezali. D'abord dans les pots, il y a un peu qu'on a animé, et qu'on a expliqué, et qu'on a prêché, enseigné par l'homme de Dieu, le prophète Jean-Willy Bansassou. Voilà pourquoi, le gars qui tout y a mis ce nionso, tout y a comme un cambroi, au beau sanaté, où il va bénir conférence. Tout y a, moutouna moutou, pour tout y a pas tous, voilà la qui s'y pelité à boni. Encore, on fait que Bissotou et même Bisson à foi. Souvenez-vous de la conférence de Jérusalem, bien qu'il y avait des points de divergence, mais au travers les apôtres, quand ils sont venus, ils ont éclairé ces points-là. Cela a amené au peuple à avoir une seule foi. C'est pourquoi Tobengami pour la Bilou Boye, Tosa Boye, Biona pour Bisson, Tobengami, Tosa Nakondima Moko, Tosa Na Esprit Moko. À la peine à foi moko. Alors, Nayango, tous ceux qui m'ont peiné dans le banc, Nassimana Kozoa Boye Bioye, et comme je dis, quand je dis, je me rappelle encore la Bible du Naboy Bandimaki, Naboy Babongola Kimitema, Bangonio Sobazaika Namutema Bodi, Moko. Quand il y a un seul père, il y a aussi une seule foi. Jésus a bien gabako les couloirs, mais ça a mis ça, pas mis ça tout. S'il vous plaît, il a fait sortir seulement un seul pain. Et vous croyez qu'il n'y a qu'un seul enseignement? Ici, il y a un seul enseignement, il y a aussi une seule foi. Vous êtes heureux ce matin. Je dis que vous êtes heureux ce matin. Bien-aimé, Nayango, vous allez profiter et que vous avez sans tout. Merci, Manabiso, ou Yoka. Matéa Oyo comme Mabiso na thème Oyo pour un moment Abisso il y a deux bas
Oyo, moko na moko, de basel en zambi bako interveni, pourquoi pas intervenant na biso, à quelques points, oyo, oyo sengeli, olo bango, ezo kadre biso kakana, tem na biso wana. Et enfin, tozo profite kwe bisabino ke, lobby, à partir à 10h, à partir à pourquoi, je pensais, nous avons l'ouverture, il y a assemblée na biso, apôtre Jerry. Apôtre Jerry, assemblée na biso, juste à l'opéra sa biso, la césarita ka musikate. Donc, demain, à partir le soir, ce sera pour nous l'ouverture, il y a assemblée na biso. Oyo, à 8h. 8h, et place na biso Rosalawapi, kaka awa. Oh Dieu soit loué. Voilà un peu moi la circonstance. Oh yo kokai. Thank you.
Bolingo. Bolingo. Que Dieu vous bénisse. Tobengi Isanga Mususu Yabara Kabaya Bayembela Kolo.
Alléluia. Bandeko. Natambola, na luka mokonji lokola David banda histoire ya makambo nzambe na mona ina. Ah. Est-ce que nous avons un ba ministre bazala kwa David te? Tango wa mona loyembo nzambe ba temi bazoyembe la nkolo bazawa te. Ah, to pesa ka mikumbe kwa bandi. Keba mwasi na oko masteril. Ah, continue na mona ba konjimo ko bazala kola David ya. Na mona ba ministre ko bazala kola David ya. Toke. Yembela biso ka nzembo wana. J'aimerais voir des autres, des ministres comme David. Quand ils voient l'arche, ils se mettent debout. Ils commencent à danser pour la gloire de ce Dieu-là. Zambé a longoli, a commission Mossali, a commission ministre, a fait sur l'évasion. Quand ce Dieu-là arrive, pardon, ministre, David. Ah, Atelemi. Merci. Namonio, Telemi. Vous allez au David, il a tombé le
Oh,
kake zakali kamboya bana pona musala ya tata ya baba indiquement pour les affaires du père ce qui a fait que nous soyons ce matin ici. Jésus dans Jean chapitre 2 verset 13 à 14 à côté d'un temple pendant que les sacrificateurs passés exerçaient leurs fonctions, ils n'ont pas compris que Dieu, c'est un Dieu qui marche de temps d'attente. Il n'a pas compris que Dieu, c'est la colonne de nuée qui bouge. Mais le Fils comme les affaires du Père lui appartiennent, il est entré dans les temples pour expliquer maintenant aux sacrificateurs que ma cambo est un bino désert. Mais à côté d'un temple, pour un hôtel et sabato, et bino boza basali, mais n'a ni la moine. Mon akolo en d'akoui. Au kamata, messa, renversé. Au kamata, bangombe. Atindiki bango, échangeur de monnaie. Parce que le Fils, il comprend le Père dans les temps. Parce que le Fils, c'est le prolongement du Père. Nous avons un Zambé, et nous avons un Zambé, et nous avons un Zambé. Et puis, quand nous avons un Zambé, il faut que nous avons un signe de robot. Il faut que nous avons un Zambé, et nous avons un Zambé, et nous avons un Zambé, ce qui est interdit dans le temps. Voilà sur l'affaire du fils. Oui, salibisoto sangana parce que toza bana ya tata moko. Musala na yende yango ezotinda bisoto sangana. Est-ce que je parle bien matin? Yango tozo benga musala. Yakole zakali kambo ya tata. Il faut bana na yeba s'en occuper na yango. Pendant que l'homme de Dieu s'approche, nous n'acclamons pas pour lui, mais nous voyons l'arche de Dieu. Nous acclamons Jésus dans tout le temps.
parole est bien pour moi. Ta parole est bien pour moi. Elle est ma victoire, Chacha d'Israël. Ton alliance est dans mon âme. Ton alliance est dans mon âme. Je porte ton nom. Ton alliance est dans mon âme. Alléluia. Ta parole est bien pour moi. Ta parole est bien pour moi. Alliance dans mon âme, ton alliance est dans mon âme. Jésus. Ton alliance est dans mon âme. Et t'es l'icône, ma boko. Kimia pengolu ya kolo et salanabino. Nalobi kimia ya kolo et salanabino. Na pamboli kolo pona tango oyo atondi na esengo komona basali ya nzambe na kati na biso motei mo sekuta kola pambola yo basali ya nzambe jeke kola pambola yo obateli modogo Kola pambola yo. Kola pambola ba ilo tomo nyoso ya liloba. Toma héritier, mosako le papi. Nako kati kotanga ba kombo nyoso kasi na lobi kola pambola bino. Kola pambola libota. Mobate li lufu la pambola ma. Toma jeri pambola ma. Inonyo sobo pambolama. Bakundi ya mibale, mokapo ya mine. Tobandi kotanga na nzela ya tuku misato na mwambi. Akiti. Kino tuku mine ye, koma miboye. Bakonzi ya mibale mokapo ya mine nzela kotanga tukumisato na mwambi
Elisa a zongi na Gilgal. Zaki na nzala na kati ya mboka. Lokola bana basakoli bavanda ki liboso na ye. Alobi na mosali na ye. Oye yo lamba mwa potopoto ona bana basakoli. Mokona bango abimi na elanga bona kobuka matiti. Tanga likomi o malamu. Oye akuti vinyo ya zamba. Pe abuki maboke o ya zamba. Atondisi elamba. Azongi akati yango biteni na kati ya mbeki pe asali potopoto. Esika oyo potopoto ezalaki. Azongeli. Akati yango biteni biteni na mbeki esika oyo potopoto ezalaki. Pwete bango bayebaki yango te. Bapesi bileye epaya bato oyo. Kasi tango babani kolia potopoto, tango bakangi, kufa na kati ya mbeki. Zongeli, kufa na kati ya mbeki. Bato na nzambe, bato babani kolia, pe baleli susute. Elisa lobi, kozua fufu. Et babouaki na kati ya mbeki alobi pesa bato yo pe balia boye ata eloko ya mabeza laki soute na kati ya mbeki nalingi ete tombo ya lelo milulu oyo eza la fufu oye ko tiama na kati ya mbeki pona kolongo la kufa. La lignée de la tombe à l'élo, l'été à Oyo, et à la foufou, pour la colombe la koufa. Na lombi, kolo apambo la ndibola la litangi à Makomi. Na zongeli kolo apambo la bino. Apambo la bana yanzambi, pe basali yanzambi, zola nabisio bisikanyo sur la mokili. Tango na komanda koloba. Ezali milulu oyo mituna ekozala. Bato bazala mituna okokoma opesa bandeko baza kosungala mosala pe bato ya misala bakokomisa epai ya ndeko baza kokamba mabondeli pe ekokomela biso mpona nini milulu oyo pe na milulu oyo biso tokosala nini. Mituna kaka mituna sima ya kokutana ya boye kolo azozela nini epai na biso pe mpona nini liteya ya boye ngai nandimi lokola ndeko moko losambo na biso Deuteronome tuku mibale misato mibale moko pe na mibale abaki ete liloba ya nzambe ezali mbula. Pe liteya na moko moko ezali matanga ya mbula eza kokita ndima ete ntango Yesu Kristo abandi kobana mwasi mosamali ezalaki nde mbula ezotanga ntango mbula ezokita mbula ezokita senge tomona ya yambo mabele elimwa soki bangomba ezali bangomba elimwa. Soko zomona bangomba ezali na yito ngoba mbula ezama kasite. Soki mbula ebeti bangomba esengeli elimwa. Na yango tina tango mbula bandeko noka mwasi mosamaya obi na Yesu. Oyi bozali koloba. Sengeli to sambela.
na Jérusalem. Yesu abaye tezali e komi tango ya mbula. Abeko za na Jérusalem te. Na ngomba we pete. Wana sa masue zo mata. Zo mata. Tango masue zo mata. Bangombe zo limwa. Ba nyama ba koti na masua. Nyoso e koti na masua. To komona su moto. To komona kaka masua. Yango eza ko ninga na likolo ya mai. Nangete mbula ya lelo. Eli Musa Musakoli Yohani. Eli Musa Basakoli Nyoso. Eli Musa Batei Nyoso. Bebi no komona kaka. Masua. Bebi ete masua wane zagi tata. Zagi kaka tata te azagi pe mwana. Oete nzamba lingi mokina bolingo mingi. Aponi Noa. Mo semu vikaka moko. Nakati ya Noe ate masua. Noe azalaki mote ya masua. Oete obika esengeli ondima liteya ya Noa. Zoka litea ya Noa yangonde masua. Undimi yangote. Izana pete. Izana pete kwe. Masue za kina kati ya Noa. Undimi bongote. Tango Noa waneko tango la masue za kina kati na ye. Aponi bana na ye. Kwe te batonga. Masue za kina kati na ye. Motawe kotonga masuwe ifaza kaka mwana ya Noa. Kwete mwana zaki na kati ya Noa. Bana ba zaki na kati ya Noa. Masuwe pe zaki na kati ya Noa. Baoki kozonge la kaka weba mwani na kati ya Noa. O sosoli e bandeli na kaite. Bana ya Noa ba zaki wapi na kati ya Noa. Na kati ya Noa. Tango bana babimi. Oye ba mwone na kati ya Noa. Esengele ba zonge la yango. Tango Noa waneko tango la masuwe la ki na kati na ye. Masuwe ki na kati na ye. Tango ba tongi masuwa. Nako yuko mwona sasa ipi mwana. Nani aboti masuwa? Eza Noa. Bongo pona kobika. Bana bakoti na masua. Banyama bakoti na masua. Ye moko pe Noa akoti. Bongo nena zaka kata masua. Noa. Nena zaka kata Noa. Masua. Bongo nena zaka kata Noa. Eza masua. Bongo nena zaka kata masua. Bongo nena zaka kata tata. Ne mwana. Nena zaka kata mwana. Nde tata. Mba tongo mbule zonoka. Et là, tu matana moana. Fouette moto nyoso à limo. Nangie te lite à tongo ya lelo. Eza la mboula eko zong sa biso na libela na libela. Fouette boko mona moto te. To mona kaka liloba. Nalabi kolo a pambo labino. Nazonge li kolo a pambo labino. Kolomoko yako bazo sala mosale pa Laban. Atali elongi ya Laban. Ye alimboli yango. Abiete ngonga ekomi na suka. Oyo yazo mona. Pe oyo azo yoka epa ya bana Laban. Y a pas la contradiction entre ce qu'il voyait et ce qu'il attendait. Boke se nezalite na kata oyo bana eko mona na oyo bana eko yoka. Quand il voit, tango azo mona, il attend. Azoyoka. Il dit Rachel. Alobi Rachel. Léa. Léa. Préparez-vous. Omi lengele. C'est le départ. Oyeza kokende. Est-ce que vous voyez ces montres, comment est-ce que ça marche? Bozomona mokile le lengene zotambola. Vous voyez les montres? Zomona. Vous attendez? Azoyoka. C'est le temps du départ. Ezala tango kokende. Christ doit nous préparer pour le départ.
Christ Seigneur là bon ça biso pour la rokende. C'est le temps du départ. Ils allaient na tango ya rokende. Tout ce que vous voyez. Yo so bozo mona. Tout ce que vous attendez. Oyo bozo yoka. Ça prouve que c'est le départ. Ils allaient kolimbo la été pour kende ekoki. Voilà pourquoi de telles assises. Ngo kokuta na yaboye. C'est pour rappeler aux hommes de Dieu. Ils allaient pas kozongela basali ya nzambe. Rappeler aux enfants de Dieu. Oyo bisa bana ya nzambe. C'est le départ. Été pour kende ekoki. Nous sommes prêts. Nous allons peiner à rentrer à l'éternité. Voilà pourquoi il faut préparer. Rassembler tout. Parce que c'est le départ. C'est pour nous permettre de voir le monde non comme le monde le voit. Comme les gens voient le monde, non. Nabucodonosor a vu une statue avec l'or. L'argent. Amoni palat le rein, amoni motako le fer, amoni ebende. Mais Daniel ne voit pas l'or. Parce que Daniel amoni wolote. Il voit lion. Amoni akosi. Il voit les bêtes. Amoni nyama. Si vous avez les yeux de Dieu, ce que vous avez mis sur Yanzam, vous n'allez pas voir le monde comme les gens le voient. Vous verrez le monde autrement. Voilà l'importance de la conférence. Dala litomba ya milulu oyo. Nous aider à comprendre comment est-ce que le monde marche et quelle est la leçon que Dieu veut nous donner. Voilà l'importance de la conférence. Je sais qu'il y a des enfants de Dieu parmi nous qui attendent Dieu, qui comprennent les messages. Je veux vous donner un petit conseil avant de commencer mon enseignement. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne ce conseil. En Égypte pour nourrir sa maison.
Jean-Baptiste voit Jésus, dit voici l'agneau. Mais qui est l'agneau? C'est l'aîné de l'homme. Avant que l'homme soit créé, l'animal était déjà là. Il est l'aîné pour souffrir les faibles. Je veux que ce matin, nous diminuons, nous rejetons nos grades, qu'on n'écoute pas la parole comme le pasteur, ni comme le docteur, ni comme le ministre. Rejetons nos couronnes. Donnons à celle Jésus-Christ la couronne. Il peut nous nourrir. Tout le monde a compris, hein? Très bien. Je suis très content parce que vous avez accepté mon conseil. Je vais parler de la mort dans les peaux. La mort dans les peaux. Koufa na kati ya mbek. C'était quoi au juste? Tout peut bien marcher,
tout va bien, tout va bien, mais Dieu voit que si tu te laisses comme ça, tu croiras que tu réussis par toi-même. Il peut te sortir dans la zone de confort où les choses deviennent difficiles. Ne cherchez pas la solution ailleurs. Retournez à celui qui vous a appelé, celui seul qui peut donner la solution à ton problème. J'ai toujours dit que la source détermine l'existence de la chose. Tu ne peux pas comprendre la chose en dehors de sa source. Mais pour que les poissons vivent, ils doivent vivre. Pourquoi? Il vient de là. Alors l'arbre qui l'a créé, c'est Dieu quand il a parlé à la terre. Que la terre produise. L'origine de l'arbre, c'est la terre. Pour que l'arbre vive, il doit vivre où? Alors prenez les poissons, mettez les poissons dans la terre. C'est pas son origine. Alors pour l'homme, Dieu a dit à qui? Il n'a pas dit à la terre. Il n'a pas dit aux eaux. 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 La parole va. Il n'a pas dit aux eaux. Il n'a pas dit aux eaux. C'est Dieu. Pour vivre, il va vivre où? C'est-à-dire qu'à chaque question de nos vies, à chaque difficulté de nos vies, il faut rentrer à Dieu. C'est lui la seule source. Vous le croyez aussi? Les fils des prophètes ont compris que nous devons aller chez les prophètes. Ils se sont approchés. Suivez bien l'explication. L'andan d'Ingola. C'est chez nous. On n'interprète pas l'ingola kater si le texte n'est pas respecté. Ce qui les commis est au samité. Et on ne dit pas amen. Dans le bac amen était si les écritures ne s'acclament pas. Ce qui m'a commis, y'a mon ango et bêta mi ma bokote. C'est même Dieu lui-même respecte les écritures. Même les anges respectent les écritures. Si vous avez un ange qui vient pour dire prophète, il faut prêcher aux gens de te croire. Il faut dire à cet ange là qu'il soit anathème. Pourquoi? Il a contredit les écritures. Même les anges Gabriel respectaient les écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais dire quoi au juste? Ils s'approchèrent de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, suivez ça, suivez bien les indications. Il ne prépare pas. Bien qu'il savait préparer. Parce que si on est prophète sans être cuisinier, il faut rentrer au bas. Pasteur, il faut être bon cuisinier. Docteur, bon cuisinier. Il faut savoir rassembler les épices dans les écritures. Parce que Isaac ne peut manger que la nourriture qui est préparée par sa femme. Je vous dis des choses vraies. Une mère qui ne s'est pas préparée continuera à crier sur ses enfants. Pourquoi vous mangez là-bas? Parce que c'est que ce qu'ils ont goûté quelque part. Parce que tu fais. Voilà pourquoi ne cherchez pas de polémique. Parce que même les mamans se connaissent que cette maman s'est préparée bien que moi. Moi aussi je suis maman. Il faut demander des formules parce que il y a des formules dans des sauces tout consort. Tu vas appeler les gens les rebelles, ce ne sont pas des rebelles, mais la nourriture qu'ils mangent. C'est ce qui a fait que s'il goûte quelque chose, le prophète Moïse, peut-être il a oublié, il avait envoyé ses enfants quelque part à Mokali. Les enfants sont arrivés là-bas de joie quand ils étaient des enfants. Peut-être tu as oublié. Ils ont goûté du lait, nous allons vomir. Parce qu'ils étaient habitués par boire le lait qu'ils consommaient là-bas. C'est-à-dire que les enfants étaient
C'est-à-dire un ministre qui ne s'est pas préparé avant d'aller là-bas. Moïse Otomo. Oui, il dit qu'on l'a embatté avant d'aller là-bas. Parce que les écritures. Oui, de ma commis. C'est pitié. Et ça, n'a pas mis l'eau que tu as élevé. Il y a des choses. N'a pas mis l'eau. Prendre Josué, mélanger avec Genèse, mélanger avec Exode, mélanger avec Nombre, et sortir un seul homme. Donc deux, un, et Moko, et Loko Moko. J'ai donné des choses, ouais. Celui qui a créé la Genèse, celui qui a créé la Genèse, c'est celui qui délivre d'Exode. Rassemble les gens dans les sacerdoces dans Lévitique. C'est le même qui les fait dénombrer dans l'ombre pour qu'ils soient dans l'ombre. C'est le même qui les rappelle dans Deutéronome. Pour qu'ils soient capables de combattre dans Josué. Qui combat. Il est capable de juger. Alors il comprendra la grâce rite. Pour rétablir le royaume Samuel et devenir roi, savoir compter les temps chroniques afin de rassembler et de reconstruire la maison détruite en Éden Esdras, et de mettre la muraille Néhémie, même s'il peut entrer dans la souffrance Job, il saura comment vivre. Passer après la souffrance et la louange puissante, il aura la sagesse proverbe, il deviendra le prédicateur de la sagesse ecclésiastique. C'est que je prêche, c'est-à-dire il faut savoir rassembler les écritures pour sortir un seul homme. Que le Seigneur Donne du vin, on rentre dans la nourriture. Alors je vais dire ceci à Nemo. Élisée ne prépare pas. Suivez bien ce mouvement parce qu'on a donné les. Nous allons donner les pourquoi de tout ça. Il a préparé. Il y avait la famine. Où est-ce qu'il a trouvé la nourriture? Élisée, la famine ne peut pas les toucher. Zala aussi va aider. La famine peut frapper partout. Zala et Gobeta Bisika Nyos. Là où il y a la parole. Parce que si Kali l'obéza. La famine ne peut pas frapper. Zala et Gobeta. Quand les frères de Joseph partaient en Égypte. Tambo bande quoi? Yo se fou bande quoi en Égypte? Il fuyait quoi? Bande quoi qui m'a dit? La famine. Zala. Et croyait que. Quand on cherchait les pains. Il ne partait pas chercher les pains. Il partait chercher Joseph. Parce que c'est Joseph qui est les pains. En Égypte. Dans l'Égypte. Voilà pourquoi. Dans la Tina. Mais Joseph est venu. Quand on Joseph voyait. Dans les pains. Après cela. Après cela. Merci Manayango. Et Dieu faut dire. Il faut le suivre. Et c'est toi là. Il ne cherchait pas Jésus. Il cherchait les pains. En cherchant les pères, il cherchait Jésus. Et là où il y a Jésus, la famine ne peut pas frapper. Il dit bon, prépare. Lamba. Suivez bien parce que ça sera ma prédication ici. Je vais vous donner le temps de poser des questions. Peut-être, je ne sais pas vraiment. Peut-être. Suivez bien. Les mamans sont ici. Et ça, quand on commence à préparer, c'est le temps de rassembler. Et ça, suivez bien ma prédication. Peut-être sans
sonder l'idée. Bande ko sangisa. Ko sangisa. Je vais changer le chemin. Awa na lingi na bongo la nzela. C'est une marche seulement droit. O te nzamba tambola ka semba te. Tambo musi pa tambola ka boye. Quand on pense tout le temps, quand on veut renverser Jezabel. Ce ko lingi o kweisa Jezabel. On peut prendre la marche comme Jéhu. O kozwa e tambola loko la Jéhu. Oh, tant que vous saliez, car le col à motali bomba, la côte sala, boulonga de marche, pas seulement. Je vais dire quoi? Si on avait besoin de mettre du poison, ceux qui basalaki n'a dit n'a côté à poison, je me lève. La télé, je vais le faire. Et quand on met quelque part, je vais essayer de faire. N'a dit qu'au salam au salam, au question. Poison, parce que ce qui m'a dit qu'il a poison, c'était quand on rassemblait. Et là, qui t'a dit qu'il a dit ça. C'est-à-dire, il dit qu'on va. On est sauvage. Ma bokeh, il y a Zamba. Et Zamba bête. C'est scandalisé. Ou bête, il va. On est sauvage. Ma bokeh, il y a Zamba. C'est une bonne chose. Mais quand n'attendez pas. On a déjà fini de mélanger. Vous amenez des croquettes sauvages. Non. Ça va produire la mort. Quand on rassemble. Monté à Golgotha. Azomata na Golgotha. Avec sa croix. Na ekulu sunaye. Simon sort. Simon na abimi. Il sortait où? Abima qui va de la forêt. Na zamba. Il était qui? Azaki na Golgotha sauvage. Liboke oya zamba. Il est venu. Ye a ye. S'associer à la nourriture. Po sangana na bile. Avant la préparation. Yango te balam. Avant de préparer la nourriture, même les choses sauvages peuvent venir entrer. Celui qui refuse ça, il faut aller demander à Salomon pourquoi dans le temple tu as mis les coloquettes sauvages. Te répondra. Salomon a koyangola. Les coloquettes sauvages sont importants pour bénéficier à la grâce. Il n'y a pas un animal
Qu'est-ce que l'agneau est allé faire dans la foule? On peut avoir de bonnes intentions. Il faut connaître le temps. Si on ne comprend pas. Oui, mais ce sont les mais les femmes là qui avaient des parfums. Si ne fait pas combien péché. D'aller au sépulcre pour embaumer le corps de Jésus. C'était un péché. Mais arrivé là-bas, ils ont trouvé quelqu'un assis sur la pierre comme moi je suis assis maintenant sur la pierre. Bakuti mono. Une serre l'avait déjà embaumé.
quand on a jeté les parfums, il dit, ce qu'elle a fait, elle a embaumé mon corps. Vous voulez l'explication? Merci.
a pas l'explication, il n'y a pas la vie. Ce qui dit bon, c'est bon, c'est bon. Une église, il n'y a pas l'explication, c'est qu'il y a la mort. Et que les hommes disent bon, c'est que tout va exalter. Parce que Nabucodonosor était sur lui. Quand Nabucodonosor a dit pesant. S'il n'y a pas l'interprétation, ce qui dit bon, c'est bon. S'il n'y a pas l'explication, ce qui dit bon, c'est bon. Jouer tous ces gens-là. Bon, ma bateau, non. Il fallait que Daniel s'élève. C'est là que Daniel a tellement. Comme une farine. Le col à foufou. Pour entrer la mort. Pour être dans la couffre et potac. Je peux commencer? Nabandandimbola. Vous y êtes? Vous allez où? Vous y êtes? Vous allez où? Dieu chasse Adam. Zambé a bengani Adam et langa Eden. Je commence l'explication. Nabandandimbola. Il prive Adam. A Bekisi Adam. De manger l'arbre. A Lia, c'était la bonne. Voilà la fin. Talanza. Ils ont mangé. Allié. Ça c'est la sensible. Papa n'est qu'au tonnerre raté. C'est la fleur de l'étoile de neige. Oui, t'es bille et yakito que vous m'amadez. Si vous ne croyez pas, je vous le prouve. Ceux qui vont diviter, la cola qui s'appelle pas comme c'est une conférence. Je ne prêche pas comme à l'église, c'est une conférence. Oh, les amis, loulou, n'a pas le corps à l'eau sans beauté. Oh, les amis, loulou. Est-ce que vous savez que quand les enfants de Jacob cherchaient Joseph, il y avait aussi la nourriture en Égypte, non? Il n'a pas aimé de temps au banc à Jacob, au banc à l'école. Mais cette nourriture-là ne pouvait pas donner la vie. Kasi, Bileiwana. Nakana, merci. Bileiwana, et Manekoeko, c'est sans alate. Nakana, il y avait aussi la nourriture. Nakana, la paix Bilei, Zalaki. Mais ils étaient toujours affamés. Il y a des églises où les gens font des jeûnes. Parce que tout ce qu'on donne ne passe pas la nourriture. Mais Jésus-Christ a trouvé le monde affamé. Mais Jésus-Christ a coûté Mokili Nanzala. Pourquoi? Bon ami. Parce que l'arbre de vie était caché. Et même aujourd'hui, les gens continuent à être affamés dans les églises parce qu'un pasteur qui ne sait pas préparer son église est affamé. Je dis la nourriture qui doit garder le peuple durant la marche. Quand Élie a été nourri par Dieu, il a marché 40 jours devant les épreuves, devant les difficultés. S'il y a des cochons aujourd'hui, dans les églises, s'il y a des troubles, c'est à cause de la famine. Et laissez-moi vous dire que quand Jésus est venu, il a trouvé le monde affamé. Parce que la vraie nourriture était cachée. Oui, un jour il a ressuscité quelqu'un à la sortie du cercueil. Donne-lui la nourriture. Parce que l'homme qui est mort, c'est Adam chassé en Éden, privé de la vie. Quand Jésus donne la vie, il faut qu'il remette la nourriture. Jésus trouve le monde affamé. Tout ce que les gens faisaient là-bas, c'était la famine. Et quand il y a la famine, c'est le désordre, c'est la rébellion, c'est la mort. Mais quand les fils du prophète ont vu Élisée, ils se sont approchés parce que c'est lui la solution. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'était lui le vrai Élisée qui devait rassembler le monde tout autour de lui afin de donner la nourriture. La bonne nouvelle que je vous amène aujourd'hui, cette nourriture-là n'était pas ailleurs, c'était dans lui. Voilà pourquoi il dit aux Juifs, la chair, ma chair, c'est la vraie nourriture. La nourriture que Dieu garda en Éden, je vous annonce que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ, véritable nourriture. Que Dieu devait maintenant rassembler pour donner au peuple. Pour appeler ça, Shalom. Beauté. Je dis shalom parce
chambre. Shalom, c'est pas à l'extérieur, c'est dans la chambre. Je reprends shalom. Maintenant, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il prépare la nourriture. Et cette nourriture ne pouvait pas être préparée ailleurs si ce n'est que dans son corps. Je vous dis avec exactitude des Écritures que la croix de Golgotha, c'était le fou. C'était le feu. Limité. Mais quand on met le pain dans le four, on ferme. Quand Jésus est mis à la croix, le soleil part. Il ferme. Quand il est cuit, il ouvre. Voici le pain. Parce que Jésus devait être préparé pour donner la vie au peuple. Voilà pourquoi je vous ai dit ici, quand je répétais les Écritures, avant qu'il soit tué, c'était le temps où les colloquettes devaient venir. Simon sortait du champ pour aller être rassemblé, parce que cette nourriture devait rassembler aussi les colloquettes du champ. Voilà pourquoi la femme syrophénicienne, quand elle criait, Jésus dit non, la nourriture des enfants, moi aussi je suis colloquette sauvage. Elle dit derrière, je viens devant, Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Il dit que c'était le temps de rassemblement. Le même Dieu d'autrefois qui a condamné les colloquettes dans le temple, il a agréé. C'est-à-dire que Jésus, son corps, c'était la vraie marque. Où Dieu devait préparer, donner la vie au peuple. Vous qui avez respecté le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes heureux. Parce que Dieu a mis tout dans lui. C'est Christ qui est la vraie nourriture. C'est aussi comme cela. Quelle nourriture d'aujourd'hui, demain, de toute éternité. Il n'est pas la nourriture seulement pour que vous irez en Europe, non. Il est la nourriture pour tout le temps. Aussi comme cela. Même si nous mourons aujourd'hui, il est la nourriture. Demain, dans le séjour des morts, dans le ciel, dans l'enlèvement, dans l'éternité, c'est lui la nourriture. Pour allaiter, il faut être grosse. Et c'est que grosse.
enfance. Zemi. Enfant. Obota. C'est alors qu'on peut nourrir. Ndeyo koki koleisa. Qui peut nourrir? Nana koki koleisa. C'est celui qui a. Isaïe oya mema ki zemi. C'est celui qui. Ye oya boti. Depuis l'éternité. Dans l'éternité. Il nous a enfantés où? À la croix. C'est alors qu'il peut nous nourrir. Donc, à part Jésus-Christ, il n'y a personne qui peut nous nourrir. Si un apôtre nous nourrit, si un prophète nous nourrit, si un docteur nous nourrit, ce n'est pas lui. Celui qui nourrit, c'est celui qui nous a enfantés. On peut monter quelques degrés. On peut monter quelques degrés. Qui est-il? Qui est dit de prendre les lits et de rompre les cieux? On regarde en Égypte. Il n'y a personne. Parce que la mort était annoncée. Et tout enfant mal et sera né jetera dans le fleuve. Le fleuve, c'est le fleuve de la mort. Qui est dit? Moïse, moi, je ne suis pas dit. Je prends Moïse. Là, il y a la mort. Et si tu as je le mets là-bas. Mais dans une corbeille. Comme je ne suis pas dit, je mets une servante. Qui est la servante? Moi, c'est la grande servante. Moi, c'est de Kouloutou. Elle est là-bas pour vérifier. Mais rentre dans l'éternité. Maman Zongi na libéla na libéla. Qui est-il? La question est déposée où? Dans la maison de Pharaon. J'ai regardé. Il n'y avait personne. Sous la terre. Au nom des ancêtres. Personne. L'un des vieillards dit. S'il y a des vieillards. Ce n'est pas pour faire des débats. C'est pour faire des questions. C'est pour répondre aux questions. Je veux voir les vieillards aujourd'hui. Nous avons des ministres, j'ai 40 ans. Mais ils créent des problèmes. Non. Les vieillards donnent des réponses. Les vieillards donnent des conseils. Les vieillards montrent des chemins. Les vieillards ne font pas de troupes. À moins que tu sois David. À moins que tu sois David. Dans la guerre, mourir dans la guerre. Mais la mort de David, c'était pour préparer le chemin à Salomon. Retournons. Je vous ai dit, venez monter, non? Là, on est plus sur la terre. Jean ne pleure pas. Voici le lion. Il retourne où? Là où la question était posée. La réponse est un agneau. La grande sœur veillait. Yaya, où était sorti le message de la mort? Chez Pharaon, non? Il l'a fait, mais il n'est pas fallu. Moi, une fille sortie. Moi, je suis mon ami. Là, c'est la réponse. Parce que moi, non, moi, si on est et Yannot. C'est ça l'agneau. Il était moi, Pate. Il vient pour répondre à la question du lion. Parce que le lion, c'était Pharaon. Et maintenant, sa fille, c'est l'agneau. Moi, non, non, moi, si n'est moi, Pate. Doit venir répondre. Et c'est que la paix s'est. Et pendant qu'elle regardait, tu veux que je cherche qui? La nourrice, oui. Nourrice. Moi, ça qu'on le Mélissa. Pour allaiter, on doit chercher celle qui a enfant. Et c'est que pas Luca, où est à je ne peux pas la coquille nourrir ses bébés. Et enfant. Et celui qui peut allaiter, c'est celui qui nous a conçus. C'est celui qui nous a inventés. Que le Seigneur vous bénisse. Descendons maintenant. Je veux dire quoi en amont? Seul Christ, Christ qui peut nourrir son église. Si vous êtes apôtre, ce que vous êtes comme.
Si vous êtes prophète, vous êtes comme. Si vous êtes évangéliste, vous êtes comme. Si vous êtes pasteur, vous êtes comme. Le seul qui peut nourrir son peuple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'a pas donné la place à une autre personne. Il a dit, je suis avec vous. Il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Jusqu'à la fin du monde, il n'a pas laissé une place à un prophète. C'est dans la loi de la prophétie. Les prophètes ne peuvent pas prophétiser. Si l'un prophétise, et l'autre attend. Quand Moïse prophétisait, Jésus n'a pas prophétisé. Quand Jésus est venu, Moïse ferme sa bouche. Moïse a pas besoin d'un autre prophète. Qu'il attende que notre prophète termine son temps. Notre prophète a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors s'il y a les autres prophètes, ils attendent la fin du monde. Comme ça le viendront prophétiser à la fin du monde. Mais notre prophète continue jusqu'à la fin. Vous m'attendez. Qui peut nourrir? Jésus. Juste après la proie. Il demande à Dieu les routes. Ce qui m'a aussi dans sa vie,
Qu'est-ce que les lionceaux demandent à Dieu leur nourriture? Donc les cris des lionceaux s'adressent à Dieu. Et que n'a rien pas ça. La réponse c'est quoi? Il y a deux années. Le soleil se lève. Moi, abîmé. Il se retire. Les zombies. Les lionceaux se retirent. Bah, n'a cosi, bah zombie. Se couche. Bah que voilà. Et notre réponse, il fallait que le soleil se lève. Voilà pourquoi Zacharie a chanté. Le soleil levant nous a visités pour répondre aux cris des hommes. Donc ne pas répondre aux cris des hommes. Jésus mourait, venait avec toute infirmité. Il agréait. Maintenant qu'il est mort ressuscité, il a déjà fait un enseignement. N'ajoutez rien. Tout ce qu'on ajoute, ce sont des colloquettes sauvages. La philosophie de l'homme, les traditions humaines. Quand ça vient ajouter, ça devient les colloquettes sauvages. Est-ce que vous savez que les colloquettes sauvages tuent? Voilà pourquoi les sacrificateurs doivent avoir les yeux. Quand vous entrez dans la forêt, parce que la Bible a tué beaucoup de gens.
Il y a des plantes ça et là. Tu peux ramasser une plante. Moïse. Quand il a soulevé les mains, on le soutenait. Moi aussi dans l'impudicité. Soutenez-moi. Quand le quête sauvage va tuer, qui a mal ramassé. Tu peux lire dans la forêt. J'ai conseillé à un pasteur. Si tu cherches un verset, là on a dépouillé un pasteur dans la Bible. Et si quand on parle, babotoli pasteur Moussala côté. Alors montrez-moi un verset. La kisangai verset. Où un pasteur est excommunié plus de 6 fois pour l'adultère. Oh le pasteur moko na Bible. Yé babengana ki elibanda église à Malamotoba. Nous voulons seulement dire que ces frères ici. Ndekoyo. Dieu ne l'a pas envoyé. Zambe abengai na Moussala te. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un. Qui n'a pas encore façonné. Non, frère. Soit vous faites votre Bible. Je lui ai dit, même l'église catholique romaine s'est décidée dernièrement que les prêtres qui se conduisent comme ça, qui déposent le soutane. Et ils ont fait. Mais votre justice doit dépasser celle des catholiques. Non? Vous dites non, il a péché. Il peut revenir. Moi j'ai toujours dit qu'il y a d'autres péchés qu'un pasteur ne peut pas commettre. Si tu commets, je comprends que Dieu ne t'a pas envoyé. Là je suis le frère de Brigand à la croix. Je suis le frère de ce bien-aimé là. J'appelle ce brigand là frère de notre église. Il avait la révélation plus que Pierre. Si vous ne croyez pas, moi je crois. Il regarde Jésus. Il dit sauve-toi. Toi-même. Et tu me sauves. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Timothée. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, pour te sauver, et tu sauverais les gens qui t'écoutent. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas sauvé, comment il va sauver les autres? Colonquette sauvage, ce sont des ajouts qui des gens viennent. Si quelqu'un est sacrificateur, il faut commencer à vérifier ses yeux. S'il a les deux yeux, s'il a des taches, il ne verra pas bien les colloquettes. Il peut prendre un verset. Je dis que si Moïse élevait les mains, c'était le premier sacerdoce. Il avait la faiblesse. Il fallait qu'il soit soutenu. Et quand on l'a soutenu, jusqu'au soir, c'était la victoire. Mais un homme est venu. Il a cherché. Personne pour le soutenir. Il s'est soutenu seul. Pierre a fui. Thomas a fui. Il était seul à la croix. Il n'avait pas besoin de quelqu'un pour le soutenir. Papa pasteur, il faut avoir les yeux pour distinguer les colloquettes et la vie. Oye, bakoke sanisa maboke. Ça dit que les colloquettes sauvages tuent. Et maboke a zamba ebo maka. Parce que j'ai toujours dit, si vous entrez dans une église, vous contredit Paul. Oh, le bazar côté les mêmes apôtres. Prends ta Bible. Sois biblien dans le sort. Bima. J'ai entendu déjà dire. Paul a dit. Non, tu vas te passer au Paul à l'lobby. Moi aussi j'ai dit. Appelle à l'lobby. Keba. Au terme que je vous ai prescrit,
Ce sont des coloquettes sauvages. Dieu n'a pas besoin que les gens puissent l'aider. Non, frère. N'ajoutez rien. Les coloquettes sauvages. Ce sont des recherches de 23 que les gens cherchent aujourd'hui. Les gens veulent être grands. Les gens être forts. On peut vous donner toute la gloire du monde. Vous irez où avec ça? Il n'y a qu'un seul qui mérite la gloire. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Les pasteurs passeront. Les prophètes passeront. Les docteurs passeront. Tout cela, c'est la vaine gloire. C'est la vanité. Jésus-Christ, Jésus-Christ, c'est le seul. Ésaïe, la nourriture qui convient pour le monde. N'ajoutez rien. Parce que tout ce qu'on ajoute, ce sont des coloquettes sauvages. Tout récite ne signifie pas que vous avez dit. Ne négligez pas. Ne négligez pas ce que vous avez. Ne soyez pas intimidé par des gens. Ne laissez pas les gens dire ce que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous pouvez marcher devant Jésus et se noyer. Vous n'êtes pas les premiers. Il a dit à Pierre, viens. Pierre comme un homme. Il croyait qu'il devait arriver vers Jésus. On pouvait l'adorer. Mais comme un homme. Tu peux marcher devant la colère, mais devait te tomber. Je suis fort. Mais la main. Est passée. J'aime. Il y a la tête. Soutenu par le cou. Le corps peut être dans l'eau. Mais la tête reste. À cause de lui. Parce que le cou se lève. Il réunit le père. Il réunit la tête. Et sa moto. Le corps. Le corps peut se retrouver dans la faiblesse. Le ministère me soutient. Pour que la parole vienne me récupérer. Je vous dis vrai. Il ne faut pas vous limiter par ce que les gens disent de vous. David est devenu roi, mais il était berger. David a commencé à combattre. Pourquoi tu as laissé ce temps? Nous avons été pour nous combattre avec des lions. L'état que vous traversez ne changera pas la promesse de Dieu dans vous. Tu as laissé cet état seulement pour que vous soyez capable de vaincre l'ours. Même quand vous tuez l'ours, personne ne va t'acclamer. Parce que personne ne te voit. Il y a des étapes de la vallée. Mais il y aura aussi l'étape de la montée. Tu peux bien prêcher plus que Jean Willy. Mais personne ne te comprend. N'enviez pas les gens. Restez dans les étapes que tu es dans. Je suis venu vous amener à ne pas chercher des coloquettes sauvages. N'ajoutez rien. N'imitez pas les gens parce que l'église n'est comme mon aile. Toute élévation ne vient pas de Dieu. Je rentre dans nos nantes. L'église de Lille. Église de Elia. Il avait dit, l'église de Jézabel, combien de prédicateurs? 800. Combien de fidèles? Il
une église qui a 800. Et quel est la 800? Prédicateur, combien de fidèles? 800. Regardez Jézabel. Quelle est Jézabel? Bien organisé. Bon, qui s'appelle Malam? Tout Israël le connaît. Israël ne peut pas aider. Tout Israël connaît Jézabel. Israël qui s'appelle Jézabel. Mais Elie. Elia. Supporter ces messages. Oui, quel supporter ces messages. Oui, qui pico. Ne cherchez pas la foule par des stratégies. Koluka et tout loukou na mibongi selite. Sinon vous allez prendre les conquêtes. Sokite yoko zonga bokiasa. Je veux la connexion. Quelle connexion? Je veux la connexion de l'onction. Nalidi komi koti sa. Conquête sauvage. Bokiasa. Donc il y a un cet esprit de l'onction, il y a un cet esprit de l'argent, il y a un cet esprit de la foule, il y a l'onction de la foule, conquête sauvage. Bokeh Azamba. Et quand il y a des conquêtes sauvages, Bokeh Azamba, les fils des prophètes nous disons, la mort est dans. Kufa et koti na katiambeki. La mort est dans les pauvres. C'est le langage que. Il y a des conquêtes sauvages. Ma bokeh Azamba et koti. Que le Seigneur vous bénisse. Kola bango la bino. N'enviez pas les gens. Kolo la batote. Il y a des gens qui ont voyagé jusqu'à Nigeria. Eza na bato ma bembu kiti na Nigeria. Je veux que vous me connectez votre onction. Na liyete bo koti sangai pa kwa na bino. Pour avoir l'église de 10 000 membres. Kona zala na ekelezi a 10 000 membres. Bonsoir aux yeux, monsieur Mara. Je vous dis des choses vraies.
sala fais-lui confiance aux assimaya bate pour supporter ma défaite pour supporter mes chèques et tu seras fidèle essentiel est d'aller souffrir de mon souffrir fidèlement essentiel qui passe bien dans mon sala ça veut qui passe dans souffre fidèlement ça par au sala que mon toi beau salon quoi et ça que mon toi beau salon meilleur beau salon. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Amen. Tu peux lui faire confiance? Amen. Garde le pot tel qu'il est. Garde le message tel qu'il est. Garde la parole tel qu'il est. N'ajoute rien. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Voilà pourquoi on a besoin. Merci, pasteur. On a besoin de serviteurs qui savent. Seigneur, vous bénissez. Golo, apambo la biso. Mon conseiller soit apambo la biso. Amen. Nazon, c'est ma question. On a l'équipe au salam. Merci. 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 Merci
Merci, merci bien. Avant de passer aux questions et réponses, est-ce que nous pouvons remercier le Seigneur pour le message qu'il nous a donné? Yambo, toleka na mituna bebi yano, tokumisa nzambe, onalite ya toiti koyoka. Remercions le Seigneur, tokumisa nzambe, demandons la force au nom de Jésus. Sika makasi na bongo na Yesu. Sambela. Traverser avant que on s'accole à répondre à ma question, mon comme ce sou, Biboye, Tosana Bosenga, Kassawana. Ici, nous n'avons que deux bouts de papier. Ce qui est tout dans mon sou, les alliés, et Panadani, la monarchie, une déco. David. Essayer de circoncire les deux amoureux pour la maman malade, la paix qui me suit à qui dit Père Mélissé, vous avez ma belle. Donc, au comité de gens prêts, David. Recevoir le frère Didier
ensemble, nous avons député la biso, nous avons moi la biso, nous avons bien essayé de voir un la biso. Et c'est un moyen de voir un mala loba que soeur osa malamu photo sala malamu koleka na bandeko ya kono nazo senga ba pasteur na biso ya changu irite osa ngate ebi ke yo mobilize la ngaba pepele na ngaba kikole wa nazana renyo na bino na kipiti dimanche ya le 10 septembre dimanche ya le 3 dimanche ya le 10 nazana renyo na bino honorable Didier osa ngate Santo Sola Nayo, Rosanne, Zamwana, we have a new one, the 10 septembre, on a dit, à partir de 15h. Héritier, vous a chargé à votre école, pas en abé. Merci, de votre Dieu, je crois que vous avez mis ça les belles, vous libérez, allez dans la paix. Avant, tous les cas, ça va s'aller en Zambie, mais on va retourner à Mituna. La ligne n'a répondu à la question. Ici, je réponds parce que les gens me suivent. Ah ouais, Nazoya Nola, Nalopoto, Kobatoazola, Nangaïmingi. En suivant l'enseignement pour lequel sauvage qui cause la mort après la préparation de la nourriture. Dango, Nenge Nalandi, Piteya, Yamaboke, Zamba. Un ministre qui amène un autre enseignement peut-il être dépouillé? Moi, le tombe. Moi, à mes militaires, à mon sousou. À Kati Ekelezia. Moi, à Rokiba, Longolae, Kazaka. Ya moi, le tombe. Un ministre peut dépouiller un autre ministre. Moi, le tombe, Moko. Moi, à Zana Kazaka. À Rokiba, Longolae, Moninga, à Kazaka, on est à le tombe. Je réponds directement que les dépouillements, quand les gens cherchent ces versets dans la Bible, il y en a nombreux. Dans l'ancien, Pasteur José, je veux que le ministre soit ici pour m'écouter, surtout le ministre de Kikwiti, Baraka, vous devez être là pour m'écouter. Comme toi tu es le pasteur des eaux, il faut être là. Je voudrais dire ceci à les bien-aimés Paul dit que si le diable se déguise en ange de lumière, ce qui Satan a mis pour ses apôtres aussi peuvent se déguiser en apôtre de Christ. Dans le livre de Luc, chapitre 1er, verset 1 jusqu'au 2e verset, les bien-aimés Luc dit que ces gens-là qui nous ont enseigné l'évangile, ils sont devenus des ministres de la parole. On devient ministre de la parole, bien qu'on a été ministre depuis le ventre de sa mère, depuis l'éternité. Galates 1:15, Jérémie 1:5. Bakomaka, Mosali Anzambe, Atako, Bapotamaka, déjà Mosali Anzambe. Les gens. Les gens à qui Dieu s'est servi pour te reconnaître comme ministre. S'ils examinent, ils trouvent que ton ministère là, ils se sont trompés parce qu'on peut se tromper. On peut imposer les mains par précipitation. Samuel est allé imposer les mains, ou entre plutôt. Samuel a qui n'a qu'il pas qu'on a. Mais il s'est trompé. Il s'est trompé aussi sur Elia, heureusement que le Seigneur l'a. Il y a Elia, Banzi, Yende, Motingami. Mais si on trouve que cet homme, depuis qu'il a commencé à exercer le ministère, sa vie reste la même. À la place de donner la vie, il détruit. Suivez-moi, on prêche plus par les actes que par la parole. Les actes parlent plus que le message.
bizaleli ezali te ya makasi koleka mate ozoloba na monoko na on peut avoir la grâce okokozala na ngolo mais ta vie peut détruire la grâce zoka ndebongo na yo ekokia bomangolo eza na kati na yo maintenant si on trouve que dans cet homme ici surtout mon yete na kati ya moto c'est un peu sujet à frapper ça veut pas sujet à frapper un peu qui frappe toujours aza ngombe oyo mosa na ye betaka betaka baninga détruit des foyers détruit la vie détruit des églises pour vous dire que Dieu n'a pas appelé cet homme on dit papa rentre là-bas Dieu n'a pas appelé oui un ministre peut dépier notre ministre ne prenez pas le dépiement seulement comme la mort parce que le dépiement c'est à dire l'homonio c'est pour lui que Dieu s'en a guidé persiste dans les faux enseignements. Parce qu'on peut se tromper par l'enseignement, mais si on ne se répand, gloire au Seigneur, mais si on ne se répand pas à la langue, on peut dire que cet homme n'est pas appelé au ministère. Ce qui moto a déi l'idée à ma bé, mais a ikeli à mopiko. Nasima mikolo, tokolo ba ete moto yo, a bon gite la moussala yo. Montrez-nous le signe du faux prophète. La kisabiso di lembo, ya moussako di amabe. Moïse dit, Mosalobi, si un prophète vous enseigne quelque chose qui arrive, ce qui Mosakoli Moko a teibino makambo ezoya, et si vous amène vers un autre lieu d'adoration, mais ce qui a même bino n'esika mosusu ya bokumba mais un autre culte, kosambe la mosusu, sachez que c'est moi l'Éternel qui vous met à l'épreuve. Oui bah été naïza mais n'ayez pas mekabi. Un faux prophète contredit les enseignements. Un faux prophète montre une autre hôtel. Ça se diffère avec le prophète mensonge. Et le faux prophète, c'est vrai, c'est aussi le prophète de mensonge. Mais il y a une petite idée. Alors maintenant, si un pasteur, ici je parle du prophète comme ministère de la parole. S'il n'est pas capable d'enlever la mort dans le pot, ce qui me batte, alors la magoquité, y a que l'on la couffe en acte yambeki. C'est-à-dire la sangissa sangissa, azo sangissa sangissa matéa. Là il faut crier. On a essayé na ba na ba ganga. Crier, c'est-à-dire au gangé koloba. Ne dites pas amen à cet enseignement. Koloba amen na litéa wanate. Parce que votre vie en dépend. Dépend de l'enseignement que j'attends. Même Israël dans le désert était affamé. Quand il a vu le pain, il pouvait courir, prendre, manger. Il a posé ce quoi? Un peuple pose des questions. Maintenant, veste la couille dans la boue dans tout le tiers ici, ça où? Comme aussi poussière, mais là autour n'a aucune question. Silence, ils ont fait réponse à ça.
bénisse. Ça veut dire que quand un prophète prophétise quelque chose, ça arrive, mais et ça contredit l'écriture. Mais ce qui est télémeli, il faut crier. Mais comment faire? Vous n'avez pas parlé de mélange de la olama, vraiment, la farine, vraiment. La farine, c'est l'enseignement véritable qui doit être jeté dans les pots pour enlever la mort. Fufu, délité à solo, ou esengele, boaka, malakati, ambe, qui peut l'ongola liwa. Pourquoi la farine? Bon, on a dit fufu. La farine vient du bleu. Fufu, et où t'as gana boulé? Vient quitter le ciel. Oui, quitter, et tu l'as dans une terre qui s'appelle Marie. Et kota qui n'a ma belle, moi, avec Maria. Sorti. Abimi. Le corps. Jésus. Yesu. C'était la farine pour enlever Yesu la farine. Yesu a dit, il faut depuis Adam. Oyo, et Utaki Banda Adama. Quand on fait office du prophète qui a accueilli du collègue, vraiment, une très bonne question. Car maintenant, le fils du prophète qui a accueilli du collègue sauvage, en serait-il? C'était à notre temps. Comela nde kona biso oya memi maboke ya zamba wana nde okomela ye na si parce que c'est un frère de notre église bon ye azande ko ya eklesia na biso est-ce que bon je vais interpréter je vais répondre comme un prophète et puis je vais répondre comme un pasteur bon na ya kola kola mobateli asi na koyano la pelo ko mosakoli en tout cas s'il y avait pas la mort on ne pouvait pas expérimenter la puissance de la farine ce qui liwa e kota kite. Il fallait que la mort monte. C'est là qu'il y a eu quota. Pour que la farine puisse se et pour que la mort soit manifestée, on avait besoin de voir les péchés. Et les bien-aimés Paul nous dit que Moïse, son ministère, c'était le ministère de la mort. Et Paul a dit que c'est ce que j'ai enseigné. C'était aussi le PSG à frapper. Nateyango, Mikolo, Bete, Mosa, Laki, Mopanga, Oeda, Beta, Beta, Bat. Il a fallu que Jésus-Christ soit la farine pour ôter cette mort. Et c'est là que Jésus-Christ soit la farine pour la Golombra Liwao. Alors, si un frère parmi nous aujourd'hui, amène un fils étranger ou des colloquettes sauvages, on lui dira, mon frère, la mort est entrée dans les bords. Liwa, il poti na mbeki. Il va passer les mêlées. Il va s'asseoir là-bas. Prend la farine. Jette. Tiens. Lui aussi mange. Parce que le prophète sauvage va ôter. Tu prêches du haut de la chair. Tu as amené les histoires là. On te dit bien aimé, assis-toi. Prends la farine. Jette. Corrige. Lui aussi mange. La marche continue. Monté et Seigneur Lazare a mis son nom à son sur la colonnette sauvage. Expliquez-lui ce qui soit mon ligne. Aïe, Allah, ministère. Ministère, c'est dit. Écoutez, écoutez, écoutez. Que le Seigneur vous bénisse. Pour la bambou la bisou. Que le Seigneur vous bénisse. Pour la bambou la bisou. Ce qui est au commun, Ngonga, Yazomina Mwambi, Zomina Liboua, tout le monde va aller avant tout. Vous êtes dans votre chambre. Vous allez voir s'il n'y a pas la lumière. Yoko Mona, madame, ce qui est pour les athées. Pourquoi tout dans la chambre de Naomi Mwa? Hein? Si vous êtes monsieur, nous revenons à l'île. Si vous êtes monsieur, parce qu'on a besoin de ce pour voir. Vous êtes monsieur, on a posé à monsieur pour tout le monde. On allume encore la lumière. Ah, donc les yeux ne voient pas seuls. C'est que Missoué Monaka est en Gomorote. Il faut la lumière pour aider. Et c'est que donc quand Jésus-Christ appelait les pharisiens, les aveugles, parce qu'ils croyaient avoir les yeux alors que les yeux ont besoin de la lumière pour voir. Quand Jésus-Christ en est comme un pharisaïe, il est à l'Olanda. Il avait besoin de la lumière
avait raison de dire qu'il est la lumière. Pour permettre aux yeux de voir. Le ministère, c'est la lumière. L'otomo eza nde pole. Quelqu'un qui a le ministère. Moto oyo aza na l'otomo. Même s'il devient vieux. Atako mi mobange. Il peut entrer. Akoko kota. Sortir. Peko bima. Même s'il ne voit plus. Atako tu ya zo mona te. Il peut entrer. Akoko kota. Sortir. Peko bima. Son nom est Asili. C'est le ministère exacte. Peut-être c'est le courage. Quand on commence à porter le
les choses de l'extérieur, exporter plus importer, prendre les choses de l'extérieur et ramener ça ici. Ça c'est c'est-à-dire quoi? La communauté des assemblées des saints, l'isanga, masanga basan, ce n'est pas l'église d'un homme. Mais je vais vous dire avec précision comme un frère de l'assemblée. Si portez, il y a des autres églises ici, mais parce que c'est la question des assemblées des saints, si portez que je réponde comme un frère de l'assemblée des saints. Dans l'assemblée des saints, on ne vient pas s'adhérer. J'étais église telle, je deviens assemblée des saints. Non. On vient être né, c'est-à-dire, potamaka l'assemblée des saints. C'est comme Nicodème, docteur du papa. Ils ne vont pas supporter ma kabambokawana. Comme on n'était pas la mission, vous allez représenter les gars, mais vous n'êtes pas au mission compliqué. Vous allez représenter les gars pour représenter l'État. L'Église dans l'État, mais dans l'Assemblée des saints, c'est la doctrine. Maintenant, quelqu'un qui a accepté le nom de l'Assemblée des saints. Quand vous commencez à vérifier ce que vous dites à la penza, il est entré ou né. Voyez à côté l'assemblée des saints à Botami. Non, vous voulez me dominer. Ah, okay. Non, Ruben, Simeon, Lévi, ils se reconnaissent. Parce qu'ils ont des titres généalogiques. On reconnaît qu'il est né. Est-ce que pour revivre le roi Niaou? Pourquoi Botama Niaou te? Est-ce que Niaou revivre le roi Moutou? Pourquoi Botama Moutou te? On vit les réalités des saints parce qu'on est né. C'est mieux mon église. Ma voix du prophète Jaouli, le bandam église est donné. Et bandam bandam Jonas, mais il faut que ton voix de Dieu me puisse te continuer mal. C'est-à-dire, Moutou, mieux mon église est un visionnaire spécial. C'est que Jésus Kaka. Donc, attends aux ananas, mais son bébé bongé. Tous en entre mes papa avec beaucoup de respect à mon côté, un bisomé. Donc, on m'a mis bongé. Oui, on a maï. Bisa au soukaïo, faté. Mais il y a un tika bisoto continue. Non, il y a l'ensemble à l'église. C'est-à-dire que l'organisation des assemblées des saints, c'est l'évangile. Même frère Paul qui est allé jusqu'au troisième ciel. Parce qu'il a reconnu que Dieu a parlé aussi aux autres. Je ne limite pas la révélation de la parole de Dieu seulement des assemblées des saints. Dieu peut se révéler à qui il veut. Mais on verra la suite de la révélation. Ce n'est pas Marie qui a prêché les mages. Marie Andé a été à qui Batomayel était. Les mages étaient révélés par Dieu. Ah si, Batomayel, on doit les voir venir vers Marie. Et c'est que tout le monde n'a pas Marie. Ce n'est pas Marie qui a prêché les bergers. Marie a été à qui Batomayel était. Mais on doit les voir revenir ici. Et c'est là où il y a la révélation. Et si, quand même, c'est les amis. Nous allons nous rassembler. Donc, ce n'est pas Marie qui a prêché Joseph. Maria a été à qui Joseph était. Le même Dieu qui s'est révélé à Marie peut se révéler à Joseph. Mais on doit se voir. C'est le du fils. On a vu Siméon. Quand la sœur Marie entrait avec Siméon, avec Jésus. Voilée. Mais la révélation ne voit pas les voiles. Une révélation a compris que derrière le livre, il y a les écritures. Il parle
Marie récupère l'écriture. Marie reste Icabod. Marie a dit Kali Kozanga Kembo. Parce que Marie ne peut pas lire avant Simeon. Côté Marie a votanga Sima Simeote. Avant Simeon. A Yamboya Simeote. Portion. Il a dit Élisée ou bien Élisée. Mettant mon matin, il ne peut pas Élisée. Il peut aller à Mabélé. Mabélé a su dans le Simandé Élisée. Le Saint-Esprit fait qu'il a un peu de colo. Simandé Israël a besoin. Vous avez dit qu'il y a des péchés qu'un homme de Dieu ne peut pas commettre. Alors je voulais savoir, c'est quoi les péchés qu'un homme de Dieu ne peut pas commettre avec les écritures de la Bible. Au lobby était. Et ça, ma soumou, oyo, mo sali anza bakokiko, sala yangote, soumanga inayeba, ou el soumou ni nueza, et sengele mo sala namba sala, pepe sanga makoumi. Dans la Bible, na katia bibilia, je n'ai jamais vu un homme de Dieu prendre la femme de Dieu. Na monate mo sala nzambe azui, moi si abad. C'est-à-dire que les écritures saintes, na eliyoba makoumi ma sang, vous ne trouverez jamais bien, ou komona te petelou, on l'a excommunié parce qu'il a pris la femme de Dieu. Badora ki elibanda po azui, moi si abad. Chercher dans les écritures. On peut trébucher. Mais vivre dans les péchés là, c'est très difficile pour les hommes. Donc chercher seulement dans la Bible. Qu'est-ce que les hommes de Dieu ont fait? Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Parce que le Saint-Esprit n'a pas commencé chez nous. Le Saint-Esprit a commencé dans la Bible. Écoutez, quand on est Lévi, ce qu'on a Lévi pour exercer le sacerdoce, lèvre plutôt, il y a des conditions. Le sacrificateur, si son fils meurt, il peut aller assister au Dieu. Mais le souverain ne peut pas aller assister. Vous voyez comment est-ce que les choses changent. Le sacrificateur peut assister son fils. Non, le souverain sacrifie. C'est-à-dire qu'il y a des choses demandées au souverain, sacrificateur, c'est différent avec le peuple. Vous avez l'explication, non? Jésus, aujourd'hui, dans les cieux, il est souverain sacrificateur. Va demander à Israël à ta babo, maman, regarde. Sacrificateur à résoudre ma campagne. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses que un pasteur, escroc. Revoir la repentance. Parce que comment
Nayekoli le sambo ya babuda. J'ai étudié les chétoïses. J'ai étudié des religions. Il y a d'autres religions où les gens se sacrifient. La femme peut être là. À mon amour, c'était à cause de la concentration seulement. Donc, elle cherche la sanctification par la concentration. Mais nous, la nature divine, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce n'est pas la concentration humaine. Comment quelqu'un passe du haut de la chair? Là, il est escroque. Comment devons-nous crier lorsque la mort est allée pour crier? Papa pasteur, avec beaucoup de respect, ce que tu nous as enseigné là, on a vérifié dans la Bible. Les années. Tout le monde a été placé Jésus dans la même que Koulou Sakoué en Malabissa. Toi, on l'a filmé. C'est ça le ministère. C'est-à-dire qu'il faut, hein? Le ministère des appels d'abord. Sauf que papa pasteur, hein? A bêté le roman à ma belle, Ganga. Nous avons la moisse. La vierge, quand tu cater, va démonter ça et l'autre, et ça le long. Ça est Ganga. Ce sera le qui va démonter à l'assemblée des saints. L'air à la bailleur n'a pas le fou là. Dit
kotanga pe ba biloko wana eza bia mpo okopande bolingo ya nzambe eza mabe te onga na kuti bato mpo basala te batheologie na bipapa théologie nyonso ekili koloba teke moto asala théologie mpo akoma mote eza na batheologie ecclésiale eza na batheologie lokola science atanga théologie lokola histoire mais mpo akoma mote te dictionnaire biblique, tout ça, la concordance. Donc il faut ça la différence. La concordance, c'est ça, travail théologique. Donc, tu sais, théologie, diabolique, mais au sein de la Bible, on va théologien. C'est qu'il faut aller instruire, enseigner, pour y aller, mais l'on y nous a pour y aller, mais l'on y nous a un tima. Tu veux que mon débit, en gros, on va faire un peu pour y aller. Mais ça, c'est un peu diabolique. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est diabolique. Ça diabolique. Et là, on y a aussi la coloquette sauvage. Coloquette sauvage, il faut y aller. Après, il va compter. Oh, il va baguiser. Oh, il va baguiser. Mais pour y aller, il va m'aider à battre. Il va m'aider. Mon frère Paul, il va y aller. 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 Mais là, il faut être instruit, enseigné. Parce que je vous dis, l'évangile, c'est une grande sagesse. J'ai fait les titres des actes du Saint-Esprit par les apôtres. Je suis tombé dans les discours de Paul d'Athènes. Vous savez Athènes. En fait, vous êtes Athènes. C'était la Grèce. Là où le philosophe se réunissait. C'est là qu'est sortie l'Ecclésia, l'Assemblée. C'est là qu'est sortie la notion de parler. Vous voyez ici, c'était en Grèce. C'est-à-dire les citoyens là, débat. Et il y avait autant dans l'acte 3, nous avons les stoïciens. Vous avez dit que c'est une philosophie, mais quand Paul prêche, il fait entendre des choses étranges. C'est-à-dire que philosophie à Paul dépassait leur philosophie. L'évangile, ce n'est pas des choses là élémentaires. L'évangile, c'est une haute sagesse. Mais il faut être bien rodé pour savoir, même si tu es en Athènes, je vais utiliser quel langage, quel style. Et il faut être informé pour avoir ma colloquette et ma bébé. Ah, les bien-aimés ici, pose la question. Je n'ai pas compris quand tu as dit qui est dit. Question. Entre Jésus-Christ, mon et le Saint-Esprit, qui agit aujourd'hui? Nakati, il y a Yesu. Namoli Moussant. Nani le loise au sal. Donc je réponds à ce frère que Jésus-Christ est le même. Il est le père Zatata. Aujourd'hui. Lelo. Il est fils. Samwana. Éternellement. Il reste l'esprit. Celui qui travaille aujourd'hui. C'est le même qui était hier. Sauf que ce sont des techniques qui changent. C'est comme les sacrificateurs. À la sortie, il a un vêtement. Mais pour entrer dans le tabernacle, il change les vêtements. Quand tu es père, le père, c'était un vêtement pour entrer dans le monde. Porte le père, porte le fils. Quand il part, porte le fils, il revient comme l'esprit. Donc c'est une seule personne. Je n'ai pas compris qui est digne. Qui est digne, c'était une question qui était posée dans l'Apocalypse chapitre 5, 1, 2. Quand c'est le livre était caché, c'était le livre de la rédaction. C'est comme Jérémie, après avoir acheté les champs à Anatote, Jérémie 37. Il avait écrit les contrats d'acquisition. Écrit en dedans, en dehors. Il a caché ça dans un vase de terre qui était le corps d'un homme. Il aura dit que ce que tu as fait, ça explique que les champs, les maisons seront rachetés. Jérémie 32, 14, 15. Alors quand on cherchait qui était, c'est-à-dire on cherchait la personne qui avait acheté les champs. Et la réponse est l'agneau. Et les lions. Aussi. Parce que l'agneau se trouvait dans les lions. C'est-à-dire que dans Dieu il y avait les fils.
kati ya nzambe mwana zalaki il devait racheter et prendre ses livres. Oui, c'est là qu'il y a si qu'on a pas besoin. Comme Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Voilà pourquoi nous sommes allés dans l'Exode pour chercher la pensée. Un frère pose la question qui est William Mario Branham. C'est Monsieur William Mario Branham. Parce que quand tu poses la question qui est Jean-Louis, c'est Monsieur Jean-Louis. C'est dans notre évangile. On ne prêche que Jésus-Christ. À part Jésus-Christ chez nous, il n'y a pas un autre. Acte 4, versets 11 à 13. Aucun nom qui nous a été donné. Colossiens 3, 16, 17. Tout ce qu'on fait, on doit faire dans le nom de Jésus-Christ. Ni le nom de Jean-Louis. Jésus-Christ. Chez nous, nous sommes les fanatiques de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce que c'est le seul qui est mort. C'est le seul nom qui nous a été donné. Ceux qui m'ont dit, enseigner ça. Voix de prédicateur. Donnez le micro à Dr. Kius Souban. Une question. Donnez le micro. Docteur Kius, il est où? Ok, donnez le micro. Je crois que le temps nous est déjà parti.
Oui, l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Préoccupation, n'a pas été tellement béni dans l'enseignement. Merci. Nous le suivons depuis longtemps. Nous avons béni. Merci. Et nous avons été toujours bénis. Nous avons été dans la Sénat. Parce que le pays, des fois, quand vous entrez en ivresse, fois vous dites ça. Maintenant, quand les autres, même les bébés, que vous devez ramasser, tant qu'on nous voit que Moïse, puis à nous, le frère, ici, Tagi Jésus, et notre frère, ça va un peu nous embrouiller. C'est ce que je voulais demander. Merci. Et c'est ça, pasteur, nous sommes à la question pour qu'on termine. Ok. On termine là-bas. Je voudrais dire ceci. Pour la part pour le bisou, que le Seigneur vous bénisse. J'ai suivi les soucis de l'homme de Dieu. Vous voyez, je prends seulement un exemple. Le serpent, c'est un serpent qui peut expliquer Dieu, qui peut expliquer le diable. C'est-à-dire que le serpent n'est pas Dieu. Il n'est pas aussi diable. C'est une créature. Est-ce que le serpent prend la forme de Dieu? Quand l'esprit de Dieu le saisit. Quand est-ce qu'il devient le diable? Quand l'esprit du diable le saisit. C'est ça l'homme. C'est comme le corps de Moïse. Dieu se servait de ça. Et après sa mort, le diable est venu réclamer. C'est un seul corps. Quand Dieu se sert, on voit Dieu. Quand c'est le diable, on voit le diable. Exemple, Jésus à la croix, les brigands, l'injurie. C'est ça notre nature. C'est ça la nature adamique. C'est ça la nature de l'homme. Mais à force d'injurier, il a reconnu. C'est ça la révélation que Dieu l'a donnée. Parce que nul ne peut comprendre Jésus si le Père de l'Église. Autrefois, nous étions des malfaiteurs. Autrefois, on injuriait des gloires. Mais quand la révélation nous est donnée, nous sommes les frères de Jésus. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne comprennent pas parce que l'ombre. Nous sommes quelques maintenant 14h. Sans télémi boy, ombre au 14h. Les autres c'est ça ombre à 12h15 et à 9h15. Un seul corps peut avoir plusieurs ombres. Les autres mon voilà ce cas. Soleil est bête à moi parce que ombre, bête ombre, bête ombre. C'est pour ça que là bas ombre. La réalité, il faut y en accord. Dada, tu comprends ça? Mon thé, Dada, que Dieu te bénisse. Ça dit que, il y a un moment où il y a un temps où il y a un ombre, moi, ils ont bête à cause de ce que tu veux. Exactement, ça dit qu'un seul corps, Jésus, il y a plusieurs ombres. Quand nous expliquons les ombres, on les ramène dans la réalité. Ceci, de l'ombre, tu ne verras pas la plaie. Quand
Le Seigneur vous bénisse. Apôtre Jerry, venez comme ça, on va terminer ici, on va prier. Et nous allons remercier les hommes de Dieu ensemble. I am very tired. Voilà Pango Labisso. Nous bêtez l'école et ce plus ma boko ma casse. Sans jouer les hommes de Banzambe.